y a Switché. Bye bye. Bye bye. User left your channel. User left your channel. Channel switched. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a Web4Me. Ah bah non, c'est bon, je suis bête. Faut que je mette Web4Me. User was moved. Si je mets pas Web4Me, je t'entendrai pas, Aetius. Quoi? Si, tu peux m'entendre là? Bah oui, si je mets Web4Me, ouais. Hein? Si je mets Web4Me, oui. C'est pas grave, là t'es pas content. Dans le test. Non mais c'est bon, j'ai fait, c'est bon. Donc, tous les deux dans le train qui vous ramène. Donc c'est un train de la vie, enfin c'est un régional, enfin pas régional, mais un petit truc qui fait juste les alentours, qui va jusqu'au bourg, quoi. Vous remarquez il y a un petit attroupement apparemment de personnes de couleur noire qui vous ont emboîté le pas à l'entrée du train et qui sont pas loin de vous, assis pas loin de vous dans le train et qui sont, enfin, ils vous semblent bizarres. Je peux vous les faire voir. Ils sont nombreux ? Justement, je vais te le dire, attends. J'arrive. Alors, deux secondes, il faut que je modifie un tout petit peu l'affiche. Hop. Il y a lui. Hop, tu dois le voir aussi maintenant, là, non ? Vous avez pas son nom, hein, c'est bon ? Normalement, il est pas en identifié. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Ok, d'accord. C'est un jeune, ce nom ? Et il y a... Il a pas 20 ans, là ? Si ? Attends, parce que comme je suis un peu chouteau, qu'il faut que je fasse du masquage sur les trucs, et des fois j'ai du mal à te répondre. Je te réponds. Je te fais voir le deuxième. Et ces deux personnes-là. Non, le premier, il a pas 20 ans, non. Tu penses pas, non. Ils ont l'air hostiles. Ils ont l'air clairement, vous avez fait un bon jet, ils ont l'air clairement d'être là et ils ne devraient pas être là. Déjà, que font deux noirs qui vont dans un... Enfin, la première réflexion que vous faites, c'est que font deux noirs qui vont dans un quartier, dans un truc quand même assez huppé, une ville assez huppée, où habite la famille Carlyle, c'est pas n'importe qui y habite. Donc au pire, tu pourrais dire c'est des domestiques, mais ils font semblant de ne pas vous regarder, mais que tu les... Que tu vois bien qu'ils sont là et qu'ils vous regardent insistement, quoi. Et d'ailleurs, quand vous descendez à l'arrêt pour descendre pas très loin de chez Hippolyte, clairement, ils descendent en même temps que vous, quoi. Et vous commencez à prendre le chemin pour aller chez Hippolyte. Et quand tu te retournes, toi, Vassili, qui les a vraiment bien repérés, ils sont encore derrière toi. Ils sont en train de... pile poil, quand tu te retournes, ils sont en train de regarder... c'est une vitrine d'un côté, quoi. C'est clairement... t'es clairement en train de te faire suivre, on va dire. On est en train de se faire suivre, ok. Oui, bah, mon père, vous êtes prêt, mon père ? Oui, je suis prêt. Prêt à quoi ? On va leur montrer ce qui, moi, ça se passe. Ouais. Je prends ta manche et puis je te guide dans une petite ruelle. Vous voulez leur tendre un piège ? Da. Vous allez me faire un. Tu fais comment ? Tu au détour d'une ruelle, enfin au détour d'une rue, tu rentres dans une ruelle pour te planquer en fait. Ouais, alors soit derrière, je sais pas, des poubelles. Ok, d'accord. Ou dans un truc de porte ou quoi, je sais pas. En fait, tu voudrais qu'on court un petit peu, qu'on tourne un angle et qu'on les attende passer. Ouais, sans courir, juste on bifurque et on les attend
Je vous décris quand même, vous êtes dans le New York Manhattan à 18h30, pleine heure de pointe, hein, c'est rempli de monde. Hein. Juste pour te dire. Hein. Voilà, c'est pas comme s'il y avait personne dans les rues. Ah. Oui, bah ça tombe bien, comme ça, si on se fait agresser, on pourra hurler. En plus d'un or, ils vont se faire tabasser par la police. Donc quand vous faites quoi? Vous vous mettez dans une ruelle et puis vous cachez derrière un poteau ou des poubelles ou un truc ou... Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on pourrait d'abord leur parler. Ok, ouais, bon, on va leur tomber dessus quand même. Vous les voyez passer, ils tournent un coup de tête dans la ruelle et ils continuent leur route. Ils rentrent pas dans la ruelle. Eh ben, on inverse les rôles. Ah ouais, on les suit. Mais en fait, dès que vous ressortez, enfin, tu supposes que tu ressors de la ruelle en mettant juste un coup de tête. Ouais, ouais. Tu les vois un peu plus loin, regarder droite à gauche au travers une rue. Genre un peu, ils vous ont perdu, quoi. C'est parfait. C'est parfait, on n'a qu'à les suivre. On les suit, ouais. Si on les suit, on les attrape, si on les suit. On se rapproche, quoi. Vous faites quoi? Eux, ils continuent, ils prennent la route. Bah, apparemment, c'est votre route pour aller chez Needle. Bah, on va les suivre. Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, suivons-les. Ils vont jusqu'à chez Needle. Ils sont en bas du pied de l'immeuble de Needle. Ils font 3-4 pieds en arrière. 3-4 pas en arrière. Alors, ils regardent un peu, vous savez, ils se mettent en arrière quoi, pour regarder, pour avoir une vue un peu de plus loin, quoi. Et ils regardent et ils appellent un taxi. Ils aident un taxi. Et ouais, bah ça suffit là, c'est bon, stop. Stop quoi? Bah j'arrive derrière et je vestis d'avoir une arme à feu pointée sur le jeune. À travers ma veste. Oula. Tu vas me faire déjà un jet de stealth. Parce que pour que tu vois ce que je veux dire, pour que tu ailles de la rue, enfin même si vous les voyez de loin et tout, pour que tu arrives jusqu'à eux sans qu'ils te voient et tout, faut que tu me fasses un jet de style, s'il te plaît. Ça peut être fameux. Tu me l'as fait en cachet. Ouais. Ouais. Ok. Bah, je t'annonce fièrement que c'est pas la peine de faire des jets cachés à Cthulhu parce que tu peux pas savoir si t'achètes de la chance ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'annonce fièrement que tu l'as loupé et qu'il te faut 44 chances pour sur tes 73 points de chance pour réussir. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, ils t'ont vu. Alors. Je cherche juste. Que font-ils? Je regarde juste. Ok, d'accord. Tu vois clair. Faites-moi un jet de toc tous les deux. Un jet de toc. Spotiden. Excuse-moi. C'est bon, ne fais pas. Tu vois rien du tout. Dieu est parmi nous. Vassili, tu vois clairement que les deux sortent. Il y en a un, il sort un grand couteau apparemment de derrière sa veste. Ça brille, ça lui et tout. Tu comptes faire quoi? Il y a du monde dans la rue ou pas? Ouais. Pour savoir si ce sera un plan vite fait ou pas. Non, j'hurle à l'agresseur. À l'agresseur. À l'aide. Ce que je te disais plus tard. Il regarde droite à gauche, il range son arme et il court. Il se barre. Bah, je poursuis, moi, je pense. On leur court après, ouais. Ah ouais, ouais. Alors toi, Vassili, tu vas pas pouvoir courir. Hein. Franchement, le jeune, il te défonce. Hein. Ah oui, non, mais c'est même pas la peine de faire un G. Hein. Bah, tu vas le perdre assez vite. Père Francesco... Courir en soutane, c'est pas évident. Courir en soutane, ça va pas être évident. Et ils sont clairement... En soulevant bien, mais bon... Ils sont clairement plus sportifs que vous. Hein. Ah. Je veux bien qu'on fasse une course-poursuite, mais... Non, mais moi, c'est plus pour... voilà. Ouais, bah toi, tu... Voilà, le principe, quoi. Et tu lèves ta canne et tout, mais ils sont déjà barrés, ils sont déjà bien loin... Ils sont déjà bien loin, quoi. Ok. Bon, on est filé, quoi. Ouais, puis ça, vous habite Hippolyte, ça aussi. Donc, c'est pas sûr. Ok, vous faites quoi? Vous montez chez Hippolyte? Ouais. Okay. Ouais, ouais.
Donc bon, il est 19h. On va voir ce que font les autres à 19h, ok? Je suppose qu'ils sont chez Hippolyte. Yes. Peut-être que la prochaine fois, on devrait... Hein? Ah, pardon, vas-y. Fourmi, elle est partie. Ok, d'accord. Sinon, je t'entends parler, c'est pour ça. Ah, elle est mignonne. Ok. Channel switch to your channel. Ouais. User was moved to your channel. Donc on retrouve Vassili et. Donc et Pierre Francesco. On part du principe que vous, quand vous êtes rentré, vous êtes point de chute chez Needle. Mm-hmm. Oui. Oui. Donc vous êtes arrivé vous sur les coups de 18h. Hippolyte, Khalid et. Attends que je fasse pas de bêtises, que je dise pas de bêtises. Louise, Hippolyte, Khalid et Zelda, vous êtes arrivés sur les coups de 18h chez Needle. Oui, ça. Okay. Oui, c'est ça, en même temps qu'on fasse notre truc. Voilà. 18h30, Père Francesco et Vassili sont annoncés par tes gens, Hippolyte. Bah, très bien, on a commencé à servir un verre. Ils arrivent au moment opportun. Et les voilà qui rentrent. Les jambes croisées dans le canapé. Ah, bah, vous en avez mis du temps. Dada, nous sommes en sécurité. Ouais. Pas en sécurité, c'est-à-dire ? On est en sécurité ici, entouré de mes hommes. À l'intérieur, peut-être, mais pas dehors. On a été suivis par deux blacks, armés de couteaux, apparemment. Depuis la maison d'Erika Carlyle, enfin, le train en tout cas. Ou peut-être depuis le manoir jusqu'ici. Ils savent où tu habites. Enfin, où on habite, où on dort. Oh, il y a beaucoup de blagues, c'est ça, où j'habite. Ouais, mais là, c'est... Les grands couteaux, comme à l'hôtel. Si on regarde par la fenêtre, on peut voir des gens qui attendent devant ou qui nous guettent. Ah bah là, par la fenêtre, tu vois l'agitation de 18h30 dans Manhattan. Ils se sont enfuis. Ils n'ont pas pu nous agresser en pleine rue, mais... Ils étaient trop rapides pour nous. Avez-vous réussi à les identifier? Vous savez, les noirs, ils se forment tous. Ils n'avaient pas un habit distinctif. Hein. Ils avaient un... Bon, je peux vous faire voir les images d'après vos descriptions. Normal, quoi. C'est pas... Vous voulez dire qu'ils étaient habillés à l'européenne? C'est ça, ils étaient habillés à l'européenne. Voilà. Heureusement qu'ils ont couru vite. Voilà, selon les descriptions. Non. Vous les voyez, non? Ouais, c'est bon. Oui, oui. Oui. Ah ouais, cheveux coupés assez courts. Bien habillé. Moustache bien taillée. Voilà. Bon, bah, on sait qu'on est sur la bonne piste, là. Oui, mais c'est plus sûr, ici. Ouais. Faut juste éviter de sortir tout seul et sortir... Ah mais moi faut que j'aille travailler ce soir. Comment je vais faire, Hippolyte? Le couteau... Écoutez, ma chère, je vais vous accompagner. Ah, très bien. Ouais, il faut plus qu'on soit seul, hein. Faut toujours qu'on soit par deux minimum. C'est ça qu'il a sorti de sous son... quand même. Ah ça, par contre, c'est particulier, ça. J'aurais eu peur. Ouais. Je pense que Vassili aurait bien voulu leur tirer dessus, mais vu le monde qu'il y avait dans la rue... Tout à fait, j'ai pensé, mais bon... Et ils vous ont menacé de quelque chose, tout ça, ou juste... Enfin... Eh bien... Bon, allez-y, mon père, allez-y. Quoi? Allez-y, raconte-moi. Ah! Ben, c'était toi qui étais le plus devant moi, mais... Comme on a essayé de les... On les a semés et puis on les a suivis à notre tour et on essaie de les interpeller, mais je pense que ça aurait vite dégénéré en combat corps à corps. Enfin, peut-être que tu aurais essayé de tirer en premier, mais ils avaient sorti assez prestement leur couteau. Et comment vous en êtes tiré au final? Ils se sont enfuis ou c'est vous? On a crié au secours et ils se sont enfuis, quoi. Heureusement qu'il y a du monde dans la rue. Ouais, il y avait du monde.
Mais je pense qu'il n'y aurait eu personne dans la rue, ça serait terminé autrement. Surtout pour eux. Ouais. Puis-je vous emprunter une encyclopédie, mon cher Needle ? Hippolyte, pardon ? Oui, si vous en trouvez une. J'essaie de trouver le nom de cette arme. Ça me fait penser à des krisses que l'on a en Afrique, mais on dirait plus une arme rituelle telle qu'on peut en voir parmi les peuples africains. C'est pas faux. J'aimerais avoir une sorte de... Peut-être que dans la bibliothèque de Monsieur Hippolyte Needle, il y a une référence un peu plus précise là-dessus, ou peut-être qu'il va falloir... Enfin, en tout cas sur son nom, et puis peut-être que nous irons peut-être chercher la bibliothèque pour savoir un peu plus. Ça m'a l'air vraiment d'être une lame particulière et quelque part identifiante. On en trouve chez Juju. Ah oui, c'est bien le genre de choses qu'on peut trouver chez... dans son bric-à-brac. Je sais pas pourquoi, moi, ce Juju, je le sens pas. Mais si ça nous donnait le nom d'une tribu, ou si ça nous donnait... Voilà, ça nous... Oui, c'est possible. C'est un air d'être quand même assez typique. Comme... Bah, ouais, fais-moi, t'as quoi chez toi comme bouquin, Needle ? Pas grand-chose, à mon avis. Les armes d'Afrique. comme 1 à 10. Les armes sud-africaines. Allez, faites-moi celui qui a le plus bas score de chance. Me faire un jet de chance. C'est pas moi. Pas moi. 61. C'est peut-être 53. Moi. Je crois que c'est Pierre Francesco. C'est moi toujours ? Oui. Pas besoin de chance, toi, t'as Dieu. Une ouais. Chance sur... Bah voilà. T'as pas besoin de chance, t'as Dieu. C'est Dieu. C'est avec moi. C'est Dieu qui fait tout, toi. Alors, effectivement, tu peux trouver, quand vous regardez un peu dans tes bouquins, t'as un vieux bouquin sur Afrique que t'avais chopé dans une exposition, tu sais plus quoi. Ça explique un peu les peuples d'Afrique et leur drôle de vie, quoi, comment ils vivent un peu là-bas. Et effectivement, tu as une représentation d'une arme qui ressemble un peu à ça. C'est appelé un pranga. D'accord ? Et en fait, c'est un long couteau de brousse. Ok ? Alors, c'est ni relié à un culte, ni relié à un machin, ni relié à un truc. Mais c'est un couteau de brousse typique africain. C'est fait pour couper les branches, les hautes herbes, tu vois, tout ça, quoi. Un genre de machette, quoi. Ouais. Quand tu dis typique, c'est-à-dire qu'il est largement connu. Typique, oui, par contre, vous le connaissez pas ici. Par contre, c'est typiquement africain, quoi. Ouais. Mais Centrafrique, Nord-Afrique, on sait pas. Non, tu sais pas. C'est pas australien, c'est africain, voilà. Voilà, à cette époque-là, c'est... Voilà, c'est africain. C'est ça, c'est africain. Et c'est déjà pas mal. Ok. Un pranga ? Un pranga, oui. En cuir ou en fer ? On sait pas. C'est du fer. Avec des cordelettes de cuir sur le manche. D'ailleurs, maintenant, je peux vous l'identifier. Ça s'appelle un pranga. Oui, donc ils viennent de là-bas tout droit. Hein. Ça se trouve pas ici. Ou sauf, comme vous le disiez, le Tchidjuju. Il va voir ce Tchidjuju. Il va aller voir dans sa boutique demain. Il va être plus prudent de sortir armé maintenant. Ou alors on peut leur tendre un piège. Oh bah. Vous avez drôle de mœurs, monsieur. Père Francesco semble avoir l'habitude. Qu'est-ce que vous aviez en tête? C'est une ancienne vie, désolé. Tu dis ça ou pas? Tu le dis? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Réincarnation maintenant. On avance. Donc ça vaut bien que les Italiens, ils sont en corrélation avec la mafia. Enfin, la mafia russe, elle n'est pas terrible non plus. Dans la petite voix.
la petite voix, ferme ta gueule. Bien, 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 bien. Eh bien, écoutez, c'est la soirée. Je pense que nous sommes en sécurité ici. Profitons-en pour nous reposer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait demain? T'entends ta sonnette? Attends, deux secondes. Hippolyte, t'entends ta sonnette de porte? Ah, c'est une vraie sonnette. Alors, tu t'inquiètes pas parce que tu sais que tes gars vont aller ouvrir. Oui. Et y en a un qui revient. Il a dans sa tête. Il a dans sa tête. Il a dans sa main une tête de poulet qui est en train de dégouliner du sang, quoi. Qui c'est qui a déposé ça ? Chef. Ben j'en sais rien, je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Et c'est dégueulasse. Là, vous voyez son gars, enfin le gars Hippolyte, là, qui a une tête de poulet dans la main, quoi. Ah. Là, autre chose. Vous avez je me penche par la fenêtre. Spotty Dunn. Ouais, je regarde aussi. Bah, Spotty Dunn. Pareil. Oh, c'est bon. Vous pouvez... Ok, vous voyez, effectivement, au coin de la rue, vous voyez deux mecs qui courent, et toi, Vassili, tu peux te dire que, putain, c'est les deux mecs qui nous suivaient. C'est les mêmes. Ah bah, Perfant, c'est aussi, ouais. Enfin, c'est surtout Vassili qui les reconnaît, parce qu'il a fait 0-2. Ce sont... En tout cas, ils courent vite, hein. Oui, effectivement, ouais. Je regarde la tête du poulet, c'est une race particulière. Je vais chercher le marchand de poulet. Va chercher ton tigre, on va alors donner la chasse à la qui courront pas plus vite que lui. Bon, bah, je crois que c'est une menace assez claire. Le poulet, c'est une menace. Ah bah oui, une tête de poulet, attends. Non, mais ouais. Peut-être qu'après, il y a moyen de trouver des informations là-dessus pour signifier ce que ça veut dire, quoi. En détail, quoi. Oui, je pense que le message est assez clair, quand même. Hein. Je pense aussi, mais bon, il y a peut-être... Ça, on peut peut-être attacher ça à un culte ou une façon de procéder. Allez. Chez nous, c'est plutôt des poissons, mais bon, le poulet, ça peut le faire aussi. Hein. Genre, regarde le livre africain. <C'est Oui. rire> Non. Bon. C'est de toute évidence, oui, une tentative d'intimidation. Mais peut-être pense-t-il que vous avez les livres de Miss Carlyle. Bah, c'est peut-être les voleurs qui essayaient de pénétrer chez Miss Carlyle. Oui, c'est pour ça. Ils ont peut-être cru que vous aviez un livre et puis qu'ils se sont dit que c'était plus facile de le récupérer chez Hippolyte plutôt que dans le bunker de Miss Carlyle. Ils pensent peut-être qu'on a avec nous, mais... C'est vrai que si on arrivait à les suivre... On dirait plutôt qu'ils essayent de nous dissuader de poursuivre nos investigations. Oui, je penserais plutôt à ça. Sur ce qui s'est passé dans l'expédition, durant l'expédition. Nous, ils nous auraient pas donné à manger. Moi, qui étais en face de son couteau, je peux te dire que c'est plus que dissuader. Oui, si constitue une menace. Vous inquiétez pas, chef, on va bien monter la garde ce soir. De toute façon, à part par la porte d'entrée dans l'appartement, ils peuvent pas monter au mur. Hein. Oui, je vous fais confiance. On va se relayer. Ils peuvent pas monter au mur. Mais... On va peut-être fermer les fenêtres et les voler, hein, quand même. Hein, Maintenant qu'il a semé le doute. De toute façon, vu le temps, oui, vaut mieux dormir les fenêtres fermées. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas bien chaud. Tu fermes le volet, tu fermes tout. Mais c'est vrai que pour savoir qui est derrière ça, si on arrivait à les pister et à voir d'où ils viennent, mais... De toute façon, le père Francesco n'a pas fini de lire son livre, donc il va retourner le lendemain. Oui, donc si le lendemain... Bien peut-être que... Ah ouais, la foi te perd. Mais non, ça serait... Je crois que Vassili a fini de lire... Moi, le père Francesco peut être là-bas. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. La chèvre. Si je suis suivi, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui me
Et nous, on pourrait, si... Me couvrir, quoi. Ça dépend s'ils nous reconnaissent ou pas aussi. Je sais pas si ils savent à qui ils ont affaire. Il n'y a que vous deux, normalement, qui avez été suivis. Avec un peu de chance, ils ne nous ont pas encore repérés. À mon avis, ils nous connaissent très bien. Ils savaient où habitait Nidol. Ouais, donc on est surveillés depuis plus longtemps. Mais pas jusqu'à chez Nidol. Nous, on les a suivis. Ils se sont arrêtés devant chez Nidol. Ils connaissaient déjà. Ouais, voilà. On les a suivis, nous, et ils se sont arrêtés devant... Donc, ils connaissent l'adresse. Vous voulez leur tendre un piège, alors ? Ça pourrait être une bonne idée, je pense. Ça se tente. On laisse Vassili et le père Francesco ressortir comme ils ont fait aujourd'hui. Il faudrait et puis... qu'on arrive à les coincer dans un endroit où il n'y a pas de monde, quoi, dans la rue. Une ruelle déserte ou je sais pas. Après, ils prennent le train pour y aller, non, si je me trompe pas. Ouais. Bah, dans la gare, ça peut être un bon moment. Ils prennent le même train, de toute façon, je présume. Vous les avez pas repérés à l'aller, mais ils ont dû vous suivre aussi. Hein. Bah, ils étaient peut-être déjà postés devant Erika Carlyle. Peut-être déjà pas. Postés, ouais. Passons la maison de Erika et qui surveille les allers-retours de chez elle et. Ouais, moi c'est ce que je crois qu'ils surveillaient la maison là-bas. Hein. Bon bah demain on va y aller avec vous et puis on fera les pieds de grue. Faites quoi ce soir ? Je poserai bien la question à notre cher et éminent Vassili. Mais finalement, qu'avez-vous découvert dans le livre ? Ah, oh, ça vous intéresse enfin ? Oui, parce qu'on n'a plus rien à faire. Écoutez, je vais prendre la guitare et je vais vous chanter ça en chanson. Ah. Non, c'est une blague. Ah, merci. Ah bah sinon, j'aurais dansé pour vous. Hein. Ah. On a peut-être loupé quelque chose. Ah, bah, ouais. Je joue pas la guitare, c'est de la balalaïka. Alors déjà, il faut savoir que le livre était couvert d'une peau humaine, certainement. Et que... J'aime bien, c'est que ça a l'air de choquer personne. Je sais pas si on l'avait déjà dit ou pas, je sais plus. Non, on savait si pas. Si tu l'avais dit au moment où tu les avais présentés. On savait pas quelle peau. Ouais, c'était une peau bizarre, mais on savait que c'était en peau, mais on savait pas laquelle. Je vais vous lire le truc, hein, comme ça au moins ça sera fait. Ce manuscrit est l'unique exemplaire du journal de Montgomery Crompton, un artiste anglais arrivé en Égypte en 1805 qui devait accéder à la prêtrise de la fraternité du pharaon noir. Cet ouvrage est relié en peau humaine. Crompton était déjà irrémédiablement fou quand il écrivit ces pages, qui décrivirent une collection d'abominations commises au nom du pharaon des ténèbres. La salle du trône du pharaon noir y est mentionnée. Le journal contient aussi des descriptions complaisantes de meurtres, sacrifices, etc. A chaque fois, on y retrouve les mêmes gourdins piqués d'une pointe utilisée pour les meurtres rituels. Et voilà. Des gourdins, c'est ça que tu as dit ? Ouais, des gourdins piqués d'une pointe. Ça peut nous rappeler les trucs en Australie, là. Effectivement. Ça ressemble à peu près au même la secte des chauves-souris ou je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, bien vu. Ah oui. Donc, cette secte... du pharaon noir existerait toujours alors. C'est en 1905. Oh, voilà, ouais, une question. Ça fait pas si longtemps. Un siècle, plus d'un siècle. 1905. Non, 1905. 1805. Ah, 1805, d'accord. 1805, ah oui, ça fait quand même 120 ans. Tu peux partager, voilà, c'est le truc. Oui. Comme ça, au moins, il y a le texte... Bah, je sais pas, c'est un item, je crois pas. Ah bah attends, sinon je suis un copier-coller du...
Et donc on a le site archéologique de ça ou pas? Le site. Ah si, je peux parler. Attends, c'est pas le bon. Attends, c'est pas le bon bouquin. On pourrait supposer que Carlyle est allé fouiller dans. Oui. Au sein de. Oui, tout à fait. Une fraternité. Le périple en Égypte. Ah. Comme ça, tout le monde là. Artiste anglais. Compton. Et donc, c'est rangé dans vos. Dans l'onglet qui s'appelle item outil. Vous le retrouverez dedans. Ah, ok. Mais ça veut dire aussi que cette fraternité était encore active en 1805. Oui. Ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Même si ça fait plus de 100 ans. Est-ce qu'elle est encore en Égypte ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a un lien entre l'Égypte et le Kenya. Parce que peut-être que une partie de cette secte, fraternité ou on sait pas quoi est établie au Kenya. Et qui a pris un autre nom ou. On saignerait bien la bibliothèque sur la fraternité du pharaon noir ou même sur Montgomery. En relisant les annotations de du journaliste, il parle de du dieu du vent noir, de la secte de la langue sanglante. Oui, et. Et donc ce serait une secte égyptienne transférée au Kenya. Ah, c'est ça. Oui. Et qui aurait pris à ce moment-là en passant au Kenya, qui porterait le nom de langue sanglante en passant au Kenya, si j'ai bien tout suivi. Voilà, donc peut-être que c'est la même chose qui a changé de nom. C'est vrai que les tribus d'Afrique ne reconnaissaient pas, on va dire, comme étant de leur fait ce massacre de blancs. Ils jugeaient que c'était une autre tribu encore. Enfin, pas inconnue, mais. Il est 19h. Il y a quand même des similitudes. Oui, c'est intéressant comme, comme hypothèse. Des lieux de. Ouais, mais ça se serait vu. Des cultes en Australie. Il y a des choses qui se sont diffusées, visiblement. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre un Américain, enfin non, un Anglais, pardon, comme ça, quoi, pour arriver à accéder à un niveau de prêtre. Ouais, très juste. C'est peut-être quelque chose qui est national. C'est ça, c'est quelque chose qui a l'air de se répandre quand même sur plusieurs continents même, parce que ça vient d'Australie, si c'est le même culte. C'est le culte de la chauve-souris, ça vient d'Australie. Savoir pourquoi Carlyle, je pense qu'il faudrait arriver à comprendre pourquoi il a commencé à faire des cauchemars. Parce que, je sais pas, peut-être c'est un objet qu'il a récupéré ou chose comme ça, parce que lui, les cauchemars, il les a depuis très très longtemps, mais les sectes existent depuis encore bien plus longtemps que ça. La nanette en a vu, la MWLA, elle la connaît depuis 1905, donc il la connaît depuis longtemps aussi. Hein. C'est peut-être elle qui lui... Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait venue le trouver, lui? Je pense que ça s'est fait à l'envers, c'est déjà lui qui a dû faire quelque chose, enfin il y a eu quelque chose autour de lui, et après seulement la secte s'y est intéressée. Parce que je vois. Ou alors le fait que ce soit un riche héritier, est-ce que ça peut suffire pour une secte peut-être aussi? Je sais pas, il a peut-être servi un sacrifice rituel, on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est étrange d'aller. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés autour de. On ne sait pas quelles sont les exactes motivations de. Ben, en tout cas, on pensait que le point de départ était l'expédition, mais apparemment non, il y a quelque chose qui. Mais en tout cas, cette. Anastasia, enfin. C'est présenté comme une reine prêtresse, non, c'est ça? Oui, la prêtresse noire. Est-ce qu'on va avoir Juju ou c'est trop tôt? Ah, Juju ce soir? Ah, on peut. Non, mais le lendemain. Le lendemain. Est-ce qu'on va voir Juju ou est-ce qu'on creuse ailleurs Ben, n'oublions pas qu'il y a les deux. Oui, il y a les deux, guerriers, c'est vrai. Là qui attendent peut-être qu'on sorte. Si on pouvait soit savoir d'où ils viennent, soit les éliminer,
Ça serait quand même plus sûr pour nous, non? À les éliminer, carrément. Ils n'oseront pas. Je sais qu'Hippolyte... Par contre, monsieur Needle est... J'aime pas qu'on me surveille quand j'ai... Excusez-moi de vous embêter, mais il faut que j'aille, travailler ce soir, donc je voudrais savoir mais si... c'est pas possible. Si bah, c'est parfait. Si vos hommes peuvent m'emmener au Cotton Club. C'est parfait que vous sortiez ce soir. C'est parfait, on peut effectivement... vous pouvez aller... Oui, non, mais je n'y vais pas seule, donc... Non, mais déjà, moi, j'y vais, Louise. Hein, de je vous avais proposé de vous accompagner, effectivement. Je suis un peu en retard. Toutes les deux, vous pouvez y aller, puis nous, on pourra vous suivre, vous surveiller. Non, mais on veut bien venir avec nous, au moins. Non, mais je me rappelle que la dernière fois que vous avez eu cette idée-là, monsieur Needle, je me suis quand même retrouvée... Droguée dans une voiture. Kidnappée, je... Bon. Bah, écoutez, vous êtes entière, vous êtes toujours là à parler avec moi, donc c'est quand même bien passé. Oui, c'est pas grâce à vous. Mais le plan s'est déroulé sans accroc. Non. Allons, faites-moi confiance un petit peu. Non, je ne vous fais pas confiance. C'est à quelle heure votre spectacle? Votre spectacle 21h. 21h, eh bien, on a 2h devant nous, c'est très bien. 19h30, là, vous avez quand même discuté pas mal. Hein. Si, il faut quelqu'un avec nous deux, hein, quand même. Hein. Oui, non, Khalid s'est proposé, oui, c'est au moins... Hein, voilà. Et puis on y va en voiture. Oui, puis on peut vous suivre de loin. Mais faisons ça. Je cache le petit pistolet. J'espère que ça dérangera pas Père Francesco de devoir retourner dans ce... Bah, il faut qu'il se change. Oui. Ah oui, vous êtes trop reconnaissable hein, comme ça, Père Francesco. Ça va pas être possible. Hein. Vous avez pas quelque chose à lui prêter, Hippolyte? Oh si, mais après, faut que ce soit sa taille. Hein. Ah bah... Ah, quelque chose près, ça. En regardant comme ça, je pense que ça devrait aller, hein. Un pantalon noir, une veste noire, ça y est. Je garde mon col romain quand même. Oh, mais non, c'est pas possible, mon c'est père. C'est pas très discret, non, quand c'est même. Pas discret. Même, ça sera plus pratique pour courir, en tout cas. Non, mais on vous met une écharpe. En plus, on est au mois de janvier. Donc, Toi, Hippolyte, tu peux pas courir, je crois, non? Non, en plus, non, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai que tu as raison. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais moi, je reste à l'entrée, moi. Bon. Tu veux faire le guet à l'entrée? Comme ça, je regarde ce qui se passe. Un père qui fait le guet, on l'a tout vu. C'est ça, je vois, c'est un rabatteur. En bref. donc nous deux avec Khalid, on va rentrer comme d'habitude, enfin quand il y a le spectacle de Louise. Et vous arrivez un petit peu après nous pour vérifier si on est suivi, c'est ça? Ouais. J'ai combien de balles dans mon petit revolver? Parce que je m'en sers pas souvent, alors il faut que je vérifie. Je sais pas combien ça tire, j'en sais rien en fait. Très bonne idée. Chargeons les pistolets. Moi, ça va, ça prend pas beaucoup de place. Même dans mon sac à main, ça tient très bien. Après, ce serait intéressant de leur laisser l'opportunité peut-être de vous croiser, parce que si vous y allez en voiture et que vous revenez en voiture, c'est pas très intéressant. Bah, vous pouvez nous déposer une rue avant le club, si vous voulez, mais n'oubliez pas que nous avons des talons pour marcher sur les pavés. Je vous signale que ce n'est pas très pratique, monsieur Needle. On peut vous en prêter une paire si vous voulez tester. Tu crois qu'on a des paires de chaussures pour ses grands pieds? Ah oui, c'est vrai. Je suis pas sûre. Hein. Remarque, j'ai peut-être des amis. Bon, je veux pas dire, mais il va être 20h là. Il va être 20h, vous allez être en retard. Oh là là. Mon Dieu. Ah, un okay. Début de. Oui, tout à fait. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là, deux fois de suite. Deux fois de suite dans la même phrase. De Père Francesco. Je savais que j'avais une bonne influence. Est-ce que vous avez un plan? Qu'est-ce que je vous vois marié avec 4 enfants. Oh, on a un plan, on l'exposera un peu plus tard. On a un plan. Voilà. Non, c'est un plan à long terme, on n'y est pas encore. Bah oui, nous trois, Louise, Khalid et moi, on va comme on fait d'habitude, hein, je pense, quand on va, enfin, pour aller au club. Donc le club, je vous rappelle, c'est Cotton Club. Hein. Oui, c'est ça.
Et donc, on va être déposé un petit peu avant le club. Le Cotton Club, c'est au bout de ma poche. Fréquenté par tous les Noirs, en fait. Bah oui, c'est vrai. Mais, ouais, tu sais, mais le patron, à cette époque-là, il est blanc, hein, donc... Oui, comme tous les patrons, c'était par contre, vous êtes à deux pas de Harlem. Oui, oui. C'est un club. Du Cotton Club. En fait, ouais, voilà, dès que vous êtes dans Broadway, au-dessus de Broadway, c'est Harlem. Et même un peu à côté. Hein. Juju est pas loin, quoi. Vous êtes pas loin de Juju. Il est au bout de la rue. Oui, il est au bout de la rue. Et au-dessus de la 110e, là, il commence à avoir pas mal de restaurants, machin, africains. Sur les Knox Avenue, là, c'est... Là, ici, où je pointe, là. Ok. Ok. Donc, à vous de me dire comment vous faites. Ce que vous faites. Ah oui, non. Bah, comme a dit Zelda. Mais je suis prêt également. Bon. J'ai... Dans nos voitures, alors, on y va? Oui. C'est parti. Ok. Vous rendez directement au Cotton, c'est ça? Oui. On s'arrête avant. Okay. Vous arrêtez avant? Oui. En fait, le but, c'est d'un croisement de la 86e et Broadway. Voilà, la 86e, c'est pas mal. Là, là. Ça va les faire marcher un petit peu. Ok. Bah, vous faites quoi? Vous arpentez le trottoir? C'est ça. Nous rejoignons le club de Louise. Autrement dit. Voilà. Et les autres, vous faites quoi? Y a qui? Comment? Où? C'est quoi? Donc Khalid les accompagne tout près. À pied, d'accord. À pied. Oui, puis surtout qu'on a besoin de s'appuyer sur toi pour pas se tordre la cheville sur les pavés. Donc je pense et qu'on les est... Les autres hommes, je prête mes bras. Ils sont dans la voiture. Et la voiture a fait quoi? Elle suit. Non, vous suivez la voiture des gens à pied. Non, mais je pense qu'on s'arrête aussi à la 86e et puis quelques centaines de mètres plus loin, on les suit, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Donc les premiers arrivés devant le Cotton Club sont Khalid, Zelda et Louise, c'est ça? C'est ça. Bah faites-moi tous les trois un jeu de toc. Oui, parce que je pense qu'avant d'arriver au Cotton Club, on zioote s'il y a du monde qui surveille l'entrée. Mais comme je prends celles qui sont d'abord en preuve. Enfin. C'est-à-dire je prends le groupe de femmes en premier, mais non, il y a aussi Khalid. Bon, il fait nuit, hein, donc voilà. Ah, Khalid est tout sens à l'affût. Ah oui, c'était mon rôle. Et tu fais bien, Khalid, parce que tu vois deux. Au croisement, là, croisement de la 110e et donc de Broadway. Ici, tu vois. Deux personnes en train de fumer une cigarette et discuter. Et de loin, tu vois très bien qu'ils sont de couleur. Alors, à peu près dans le quartier, c'est pas forcément. Mais ils sont bizarres. Et tu penses les avoir vus ou vous regarder, en fait. Tu sais, comme des fois, on regarde des gens dans la rue, puis on s'arrête en disant, oh, ils vont me taper, ils sont cons. Enfin, ça vous arrive jamais. Donc je m'arrête et forcément comme ces dames sont accrochées à mes bras, elles s'arrêtent aussi. Vous êtes pile poil devant l'entrée du Cotton, hein, ok? Ah d'accord. Tu les as vus en fait en t'arrêtant, quoi, parce que le Cotton est vraiment près du croisement, quoi. Tu les voyais pas avant. Les dames, ça vous dirait de refaire encore un petit bout de chemin? Bah on vient d'arriver, pourquoi? Notre but était aussi de mettre la main sur ces hommes. On va rentrer par derrière. C'est peut-être. Alors oui, t'as une entrée. L'entrée des artistes. Pour l'entrée des artistes, il faut que tu remontes un petit peu sur la 110e. Ah, voilà. On va passer Tu vas passer effectivement de l'autre côté du coin de la rue. Ils vont être les deux hommes qui sont en train de fumer une cigarette vont être en face. Et il va falloir que tu fasses quoi, 20 mètres. Ah ouais, non, peut-être un peu plus, 100 mètres, et puis t'as une petite ruelle qui s'emmanche pour l'arrivée des artistes. Ouais, ça c'est bien ça. Allons-y. Donc, quand vous passez le coin, vous avez donc en face de vous, de l'autre côté de la rue, les deux hommes. Oui, ils commencent à marcher aussi sur la 110e, en face de vous, vous savez. En fait, le truc, c'est que vous tournez à l'angle de la rue,
Vous commencez à marcher pour remonter un peu la 110e et eux, ils jettent leurs cigarettes et en fait, ils sont de l'autre côté, sur le trottoir d'en face. Et dès que vous êtes arrivés, bah, ils commencent aussi à remonter tranquillement la 110e en regardant droit devant eux. Oui, après, je pense que si on rentre dans le club, Khalid, ils vont nous suivre en fait. Même si on rentre. Ah oui. Après, vous savez que pour l'entrée des artistes, derrière, il y a deux gardes en permanence. Parce que le Cotton Club, c'est pas n'importe quoi quand même, il y a du monde. Ouais, mais je pense qu'une fois qu'on sera rentré, ils vont essayer de rentrer par l'autre côté, bah non, comme ils ont fait dans les trains. Nous, on est derrière. Ouais, mais nous, je pense qu'on va rentrer. Vous venez de voir, alors vous êtes plus loin. Vous venez de voir donc Khalid et les deux femmes, Louise et Zelda, continuer en fait, ne pas rentrer au Cotton Club. Et continuer pour tourner à l'angle de la rue. Mais bon, j'en repérerai quelque chose. Oui, voilà, à ce compte-là, on ouvre l'œil plus quoi. Enfin, on sait qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc... Vous continuez à avancer? Oui. Ok, ah, d'accord. Oui. Bah, quand vous montez, vous voyez un peu plus sur votre droite. Bah, faites-moi un jet de toc. Ça peut être drôle. Vous avez rien vu. Régulier, c'est bon, régulier, ok, d'accord. Bah, tous les deux, Vassili et Hippolyte, vous voyez que vous les voyez tous les deux prêts à rentrer dans la petite ruelle des artistes, que je suppose que Hippolyte connaît, quoi. Et vous voyez bien en face deux personnes de couleur noire en train de marcher sur le trottoir, à la même hauteur que Louise, Zelda et Khalid. Bon, bah, on va traverser. Ok. Bah, dès qu'il tourne l'angle, on accélère le pas. Donc, Louise, Zelda et Khalid, vous rentrez dans la rue, dans la petite ruelle des artistes? Oui. Oui. Ok. Et je reste au coin de cette petite ruelle-là. Les deux hommes qui marchent en face, tu vois clairement qu'ils te regardent. Et eux, ils continuent sur la 110e. Et ils tournent sur la gauche, sur Lenox Avenue. Eh bien, je les suis. Je sais pas si vous avez le plan sous les yeux. Vous êtes sûr, Khalid, de les suivre? Parce que là, on va direct dans le quartier noir. Hein. Attends, parce que, hop là, Hippolyte, ouais, c'est bon. Hippolyte, Vassili et le père Francesco, vous avez rejoint Khalid. En gros, vous avez le plan sous les yeux, là? Oui. On n'est pas encore dans le quartier noir. On pourrait, en sprintant un petit peu, leur mettre la main dessus. Là, vous savez que vous connaissez, vous savez que dans cette rue-là, alors je vous le concède hein, parce que vous êtes new-yorkais, oui. Dans cette rue-là, rien que dans cette rue-là, vous avez l'Ugali Palace. Et le Victoria Jazz Club, qui sont tous les deux quand même assez réputés communauté oui. Et clientèle mixte et oui, c'est chaud. Aussi. Quoi. Non, mais moi, je vais pas m'aventurer dans l'Enox, hein, pas cette heure-là. Hein. Ok. C'est pas chaud, hein. C'est. T'es pas encore dans Harlem, mais. Ouais, si on compte molester de noir sur les Knox Avenue, je pense que c'est pas une bonne idée, quoi. Il commence à faire nuit. Enfin, il fait nuit, même. Il fait nuit. À vous de voir. Après, vous avez le droit d'y aller, hein. Les blonds ont le droit d'y aller. Enfin, c'est pas non plus. Après, on peut peut-être essayer de suivre un petit peu, quoi. Ouais. Sans savoir au moins s'ils ont une crèche ou alors, quoi. Ouais. Ils nous ont pas repéré. Alors, Khalid, en tout cas, enfin, si, ouais. Ils ont repéré moi, c'est vrai. Ouais. Mais ensuite. Khalid, allez rejoindre peut-être Zelda et Louise, et puis nous on va continuer. Ok. Ok, tu fais quoi je sais pas, c'est Khalid ou Khalid? Khalid, oui. Khalid. Je change tout le temps de nom. Karim. Khalid, tu rentres par où? Par la ruelle, par l'entrée des artistes. On te regarde et fait ouais. Quand t'arrives devant les deux molosses, ils te regardent, ils font « Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Ah, eh bien écoutez, j'ai accompagné ces dames, et elles sont bien rentrées ? Ouais. Eh bien, c'est ce qui compte. Par contre, effectivement, hein, Louise et Zelda, vous êtes bien rentrées, vous êtes à l'intérieur. Mais si je l'entends, par contre, je vais lui dire qu'il le fasse passer. Hein. Je suis au courant qu'il est... C'est pas un artiste, madame ? Bah oui, mais bon, c'est un ami à moi. N'est pas grave, je peux passer par l'autre entrée. Ah, mais allez-y, je connais bien Louise. Allez-y, ça ira pour cette fois. Hein, mais... Ah, merci mon ami. Vous faites pas remarquer.
On va essayer. On va essayer. Ah, il parlait à Khalid. Oui, mais même. je parle pour lui aussi. Et donc, tu rentres par l'entrée des artistes. Enfin, toi, t'as plutôt l'habitude. Hein. C'est, enfin, oui. Les artistes, tu te sens un peu à ton aise. Les autres, vous faites quoi, Hippolyte, Vassili et le père Francesco? Je pense qu'on va suivre. On avait dit qu'on suivait un petit peu, ouais. Vous voulez suivre, vous emboîtez le pas et quand vous les voyez rentrer en fait au Victoria Jazz Club. Bouge pas, je te fais voir où il est. Ah, bougez pas. Enfin, vous allez pas aller bien loin. Hop, voilà, là où il y a mon petit point vert. Donc le Victoria Jazz Club, c'est un restaurant un peu chic la journée, puis club de jazz dans la soirée. Toi, tu sais, Hippolyte, que le Victoria est tenu depuis bon nombre d'années par un couple avenant et tout de suite sympathique, Malakai et Mbongo. Ce sont deux personnes de couleur aussi, hein, deux noirs. Est-ce que vous voulez prendre le risque d'aller dans un club nègre? Est-ce qu'on voit alors Hippolyte, t'as jamais foutu les pieds là-dedans. Hein. Oui, c'est pour ça. Est-ce qu'on voit à travers la vitre ce qu'ils font? Non, parce que c'est un club quoi. Tu vois pas au travers. Ouais, hein. D'accord, il y a pas de. Ouais. Ok. Ça a l'air quand même d'être un truc assez grand. Hein. Toi, tu sais Hippolyte qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les soirées. Oui, je suis pas très chaud moi pour y aller. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire une fois à l'intérieur? On ne saura pas trop. On revient, on rebrouche chemin. Ça me rappelle, ça n'a rien à voir, hein, mais ça me rappelle tellement des gens qui veulent rentrer dans des trucs à Istanbul ou je sais plus où, à Constantinople. Oui, oui, t'allais dans la gueule du loup. Personnellement, avec Louise, nous sommes dans le club et je regarde sur ce spectacle. Hein, donc... Ils sont rentrés dedans? Tu fais quoi toi, Zelda? T'es dans la foule? Enfin, t'es dans la foule. Ah non, moi je suis restée avec Louise. Hein, d'accord. Pendant que Louise fait son spectacle. Non, elle est avec... Voilà. Elle est dans ma loge, oui, dans les loges. Elle est dans les coulisses. Voilà. Et pendant que... Quand Louise fera son spectacle, je regarderai quand même dans les spectateurs tout ça, si par hasard, il n'y a pas les deux poursuivants ou autres qui sont rentrés et qui sont aussi dans la salle. Fais-moi un jet de toc. Cherche mon toc, il a... Je pense que je fais la même chose, hein, vu que l'objectif c'est de sécuriser tout ça. Le toc. Mais je sens que je suis un peu fatigué. Non, moi dans le club ça me va mieux. Zelda, t'étais déjà venue à une soirée dans ce club? Ah t'avais bah, déjà oui, accompagné oui. Louise ou quoi? Ouais, oui. Il y a un truc qui te. La clientèle. Alors c'est souvent, on va dire. C'est mixte comme truc. Alors c'est mixte. T'as la population blanche et la population noire. Mais ce soir, t'as l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de personnes de couleur que de. Putain, je vais couper ça au montage, mais j'en ai marre de dire personnes de couleur. On peut dire noir dans cette vie, bordel. Bien sûr. C'est pas. C'est pas. Ah non, mais ils nous font chier avec leur truc. Bon, je couperai, je me rappellerai. ni moins 20. Voilà. Je peux dire noir, bordel, je sais pas pourquoi je me suis chier. Pour toi, à l'époque, pardon. Ouais. Mais non, mais. Oui, c'est 1920, je veux dire, c'est bon. Mais même maintenant, t'as le droit de dire que les gens sont noirs. Bien sûr. Tu peux bien dire noir. Cette bien-pensance à la con que j'essaye d'avoir, là. Ah, oh, ça me dégoûte tout seul. Alors, je reprends. Donc, oui, il y a plus de. Plus de personnes noires que ouais, de personnes blanches. Il n'y a pas tous les habitués, c'est plus. Ouais. T'as plus de la population black quoi, que de blanc. Ouais. Que de blanc ce soir-là. Enfin, c'est pas comme d'habitude, quoi, on va dire. Si je m'en aperçois, parce que je suppose que je connais un peu les serveurs, ceux qui sont là d'habitude, je peux leur demander s'il y a quelque chose de particulier. La seule réponse que tu peux avoir, c'est peut-être qu'il y a un mec qui dit il y a peut-être un bar de fermé ce soir à Harlem ou un grand truc de Harlem qui est fermé. Puis, ah oui, d'accord. Bah oui. Ils sont venus là plus spécialement, je sais pas. C'est une bonne explication, effectivement. Je vais rester sur mes gardes quand même. Même chose.
qu'ils ont des grands couteaux et des têtes de poulet. les autres, faites quoi alors? Vous rentrez? Bah oui, je pense qu'on va rebrousser chemin. On va pas aller... Je disais, vous rentrez dans le Victoria Jazz Club? Oui, oui. Non, non. Non, mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans un club comme ça? Bah non, on peut... C'est beaucoup non, mais trop après, on a déjà un point de repère. Pour oui. Peut-être investiguer. Plus tard, quoi. Ouais. Vous savez aussi que vous êtes pas loin de la boutique Juju. Oui, mais on est que trois. Non, mais je dis ça comme ça. Ouais. Et puis c'est fermé sur toi, sinon. Ah ça, on sait pas, parce que mon avis, trafic... Oui, pas... Officiellement, c'est fermé, je pense. Ouais. Bon, on y retournera, la boutique Juju. Ok, donc vous êtes à la moitié de l'Enox Avenue, vous faites quoi? Vous avez, une voiture qui passe, vous avez une voiture qui passe à côté de vous en trombe. Je fais bien la voiture. Et dedans, il y a des noirs? Ouais. Il y a des noirs partout. Eh ben, on accélère le pas, non? On retourne au Cotton Club. Ouais. Ok. Je sais pas, je sens comme un mauvais pressentiment. Ok. Quand vous êtes au croisement de l'Enox et de la 110e en revenant, il y a deux mecs qui sont là en train de discuter. Vous savez, il y en a un qui est dans la voiture, l'autre qui a coudé à la voiture. Alors attends, il y a qui? Il y a le père Francesco, Hippolyte et Vassili. Père Francesco et Vassili, celui qui est dans la voiture, il est jeune et vous l'avez déjà vu. Ouais. C'est un des deux. Ouais. Un des deux. Et Hippolyte, c'est un des deux là. Eh ben on va aller lui parler. Pourquoi y a pas tes hommes de main avec nous? Ils sont au travail là. Des porto-mitrailleuses là. Attends, celui qui est. Il y en a un qui est accoudé à la voiture, tu dis? Et un dans la voiture, c'est ça? Il y en a un qui est accoudé à la voiture en train de parler au conducteur. Et le conducteur a la fenêtre ouverte et parle. Et celui qui est dans la voiture, c'est... Bah, je passe côté passager. Bah, je contente pour me mettre à la place du mort. Attends. Voilà, c'était celui-là qui était dans la voiture. Fais-moi un jet de chance. Ok. La portière est ouverte. Tu fais quoi? Portière côté passager est ouverte. Ok. Donc on remet la scène. Hein. Ils sont tous les deux en train de parler. Lui est assis dans sa voiture en train de parler à l'autre. Et l'autre est accoudé à la voiture en train de lui parler. Et donc toi, tu veux rentrer dans la voiture comme ça, à l'arrache? Bah, comme je vois que Vassili, c'est pas une idée. Je vais pas rentrer dans la voiture, je vais me baisser en fait. Et ouais. Pointer mon flingue sur lui. Bah style ça, discrétion. Oups, ça va rater. Ah bah ça après, c'est pas bon. Comment t'as deviné? Avec 20%. En fait. Même avec 90%. Le. Donc, Hippolyte. Donc, attends, il y a qui sur la scène? Il y a Hippolyte. Père Francesco. Vous étiez où? Vous êtes placé où? Pendant que Vassili fait son truc. À côté, je pense, on est à côté. Hein. Ouais, mais je veux dire, il y a la. Battle map. Non, c'est juste que je veux bien sûr. Dessin map. Oh! On reconnaît bien la voiture. Ah non. Oui. C'est, la rue. C'est l'angle de la rue. Ah, c'était la rue. Mais ils sont oui, pas gentils. Il faudrait faire des arbres aussi, peut-être. Il y a du monde, on n'est pas tout seul non plus. Donc Vassili et OX, ok? Oui. Je vois rien du tout.
Ah, voilà. Parfois, il faut un peu cliquer dessus pour rafraîchir. Non, mais ouais, voilà. Oh. Ouais, voilà. Ah, ça se met pas à jour tout de suite, des fois, ça la merde un peu. Bah voilà, c'est très clair. Ah, une celui-là, il est vacille, voilà. Vu du dessus. Oui, bah oui, on le reconnaît bien d'ailleurs. Du nord ou de. Ah, bah vous venez de. De droite ou de gauche? Là. Le pendu, c'est. Je sais pas, le parfum. Et le gribouillis, là. C'est là, moi, ça. Hippolyte, toi, t'es de l'autre côté de la voiture. Je suis le rond. Nous, on est de l'autre côté. Le rond, c'est Hippolyte? Ah non, ça y est, Hippolyte est là, voilà. Et le père Francesco, il est déjà monté dans la voiture, il a pas tout bien compris. Il est dans le coffre, en fait, c'était une fin. Ah. C'est pour mieux suivre, ça. Il va voir, il fait le tour de l'autre côté. Bah voilà, comme ça on saura où vous allez aller. Voilà. Donc pendant que Vassili tape à la fenêtre, enfin il pointe son je arme. Je me penche dans la voilà. Voiture avec mon arme. Moi je tape à la fenêtre. Hop voilà, c'est mieux là. Ah bah là on tout de suite on figure la scène. Vous avez tout compris? Oui. Donc comme ça. Alors toi en fait, alors le premier truc qui se passe c'est que Vassili se met en bas de la portière et vous entendez la portière qui s'ouvre en grand et Vassili, tu te prends la portière en plein dans la tronche et t'as fait un fun ball. Hein. Tu te prends la portière en plein dans la tronche et tu te trouves... Elle était ouverte la portière tu m'as dit. Non, oui elle était ouverte, elle n'était pas clenchée. Quand je dis elle est ouverte, il n'y a pas la sécurité. Elle était fermée la portière. D'accord, j'ai compris qu'elle était grande ouverte. Non, non, mais tu peux la... Certaines... Oui, voilà. Non, non, elle n'est pas ouverte non. Ah bah non. Ça change tout. Ah, ça change rien, tu vas faire un fun ball. Ça change rien, de toute façon tu t'approches, tu fais un fun ball. Donc, au pire, si c'est pas la portière que tu te prends, c'est un grand coup de pied. Donc ça change pas grand chose. Donc tu te prends soit la portière, soit un grand coup de pied, tu te retrouves sur le trottoir étalé tout au long et tu perds un point de vie, s'il te plaît. Prends un dégât. Les autres, vous faites quoi? Moi, je tape à la fenêtre. ok. Et il te regarde et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Dégagez de là! Bonsoir, ça, jeune homme. Ça, c'est le mec dans la voiture. Vous voyez que le G là, donc c'est le gars, je pense. Il regarde le père et puis il s'approche du père. De. Ouais, c'est ça. De son grand et long manteau, il sort un pranga. Vous savez, la grande arme là. Ah ouais. Est-ce qu'on peut pas discuter comme des gens civilisés? Vous allez quand même pas attaquer un homme d'église. Vous semblez très intéressé par notre activité. On peut en discuter. C'est vous qui avez l'air d'être. C'est vous qui avez l'air d'être intéressé par notre activité. Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez de là. C'est pas un quartier pour les blancs. Foutez-moi le camp. Et le vieux, ramassez-le, ramenez-le d'où il vient là. Mais calmez-vous, jeune homme. Vous semblez bien énervé là d'un seul coup. De quel vieux il parle là? De Vassili. Moi j'essaie de me relever quand même. Que t'arrives à te relever, mais tu t'es pris encore un bon coup dans... J'ai récupéré mon flingue, je lui mets un pruneau. Je déconne. Je récupère mon flingue et je le menace quoi. Non, mais tout le monde va se calmer, hein. On va pas tirer comme ça en pleine rue. Tu fais... Attends. Vassili, tu sors ton flingue? Oui, je récupère mon arme qui a dû tomber pendant ma chute et d'accord. Je le menace. D'accord, ok. On va jouer en ordre de l'ordre d'attaque, l'ordre d'initiative. Il est 23h50, je suis trop content. Ça roule. Donc. Zut. Le premier à agir dans notre petit tas, c'est Hippolyte Needle. Là, tu vois clairement, il y a Vassili, en fait, il ramasse son arme et puis tu veux pointer le... Ton action, ça va être quoi? Ça va être de pointer le mec? Ouais, le conducteur, ouais. Ouais, bah je dis à tout le monde de se calmer, qu'on peut discuter entre gens civilisés. Ok, et Vassili, tu fais quoi? Bah, rien, je pointe mon arme, mais... excuse-moi, après Hippolyte, c'est... Non, c'est ton gars...
Lui, il, donc, hop, lui, il prend son pranga et il va attaquer. Carrément. Vassili qui est devant lui. Ah bah, ouais. Donc, Vassili, toi, tu as le choix entre éviter les coups, rendre les coups ou manœuvre. Non, je vais essayer d'éviter. D'accord. Donc, il faut que tu fasses avec la compétence dodge. En anglais. Et, ouais, c'est dodge, hein. Ouais. Va falloir que tu me fasses un niveau au-dessus de mon attaque, ok ? Vas-y. Égalité, le défenseur gagne, échec mutuel, aucun dégât n'est affligé. Donc lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de transpercer avec son pranga, quoi. Bon, sachant qu'il est au siège conducteur, il va pas y arriver, logiquement. Mais bon. Il y a la portière, en plus. Non, t'as raison, je lui mets un dé de pénalité. Et puis, il fait nuit. Oui, aussi. Oui, ben ça va, déjà. Ça change rien, j'ai fait 30 sur les 2 dés. Il fait froid, il a plus d'habitude. Donc il arrive à toucher, donc si tu veux esquiver, il faut que tu fasses un jet d'esquive avec une meilleure réussite. Ben voilà. Pardon. T'as combien de points de vie, Vassili? 11, en cours. Tu te prends un coup de couteau sur le flanc. Pouah, oh. Ah, c'est un couteau. Un coup de pranga, pardon. Coup de pranga, c'est pranga, pas un petit couteau déjà. Oui, ça pique ça. C'est le jeune en fait, il est étalé dans la bagnole et puis de tout son nom en s'étalant, si tu veux. Il a mis. Putain, je vais faire un mimé devant la cam, c'est n'importe quoi. Et si tu veux, en s'étalant sur le deuxième fauteuil, en fait, comme il y avait Vassili qui était devant et qui se relevait, schlac, il fout un coup de couteau sur le flanc. Père Francesco, devant toi, t'en as un qui se rapproche. Ah et bon il a pas l'air super gentil, je t'ai déjà dit qu'il il te regarde, il lève ton pranga, il fait « Dégagez de là, dégagez de là, dégagez de là !» Ah, et si je bouge pas, il vient vers moi? Ah oui, il vient clairement vers toi, je sais pas si... Enfin, son action, là... Il arrive... Ok, d'accord, tu réagis pas, il arrive et il sort le pranga et t'attaque. Non, mais je me prépare à éviter. Ok, donc parce que, comme d'hab, tu peux éviter les coups. Falloir que ton dodge soit meilleur que ma réussite. T'as pas sorti ton crucifix? Bénit. Ça les arrête pas. Les donc païens. Moi je fais 10, hein. Putain. Un hard success, donc faut que tu fasses mieux qu'un hard success. Tu peux faire un hard success, hein. Oui, faut pas oublier vos points. Hard voilà. Success, ouais. Moi j'ai extrême. Donc, j'ai hard de donc, success. Quand, qui peut utiliser 9 points de chance. Non, mais quand vous êtes à la même. À l'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Donc le défenseur sur ce coup-là, c'est le père Francesco. Donc tu nous fais, je sais pas ce que tu nous fais. Tu peux, soit tu décris, soit je décris. Mais tu nous fais soit une roulade sur le côté en esquivant sur la voiture. Ouais, t'as tes vieux réflexes de mafieux, j'ai dit. T'as failli lâcher le truc. Je fais une glissade sur le coffre de l'autre côté. Là. C'est de toute façon un Starsky Edge. C'est ça, voilà. Ouais. Il roule sur le capot. Une roulade. Starsky Edge de l'époque. N'hésitez pas à décrire ce que vous faites. Et donc, il est de l'autre côté. Donc, du coup, t'es de l'autre côté. Hein. Ouais. Vassili. Ah oh bah, je le descends. Hein. Il peut courir longtemps après. Combat. Back comme un homme là, moi j'ai pas d'arme. Arme à feu, portée, ou difficulté ordinaire, ok, ça roule. Est-ce qu'il y a des modificateurs? Non. Ok, vas-y. Loupé. Ce n'est pas votre jour de chance aujourd'hui. Mais il y a l'autre qui est en parfaite ligne derrière lui, là. Peut-être qu'il est touché. En balle perdue. C'est quoi ta dexte? À moi? Ouais. 62. Donc t'es à moins de 6 mètres de lui, donc t'as le droit à un dé bonus. Jette-moi un dé 10, on va voir. T'es à bout portant en fait. En fait,
Ouais, bah non, c'est pas mieux, ça aurait fait 96. Donc, non. Bah non, il faut qu'il réduise. Non, le dé bonus, ça te rajoute un dé. Il fait 9 sur son dé. Ça aurait fait. Ah bah non, je ferais. Si, parce que c'est les dés de dizaines, c'est les dés de dizaines. Ouais, c'est 56 fait... ou 96. Voilà, c'est 56 ou 96, donc c'est pas mieux. Ok, donc tu le loupes. Ah bah lui, bah merde, tu fais chier. Il a déjà attaqué lui, non? Oui, c'est vrai. Bah ouais. Hippolyte. C'est bizarre. Hippolyte. Ah bah non. Moi du coup, bah je dégaine et puis je tire à bout portant sur, sur le petit genou. Ok, si t'as dex, ouais, il est à 2 mètres quoi, donc t'as plus de 20 en dex, c'est bon. Oui, oui, j'ai plus de mal. Le bout portant, en fait, c'est la dizaine de votre score de dextérité. D'accord, donc je jette un des 100 et puis un des 10. Bah non, mais tu te mets un des bonus directement, tu fais plus un B. Tu cliques sur plus un B et puis après tu jettes. Bah, ok. Ça, tu peux faire direct. Aïe! Ah! Bon, ça va être le bordel. Ok, bah vas-y, fais tes dégâts, je t'en prie. Je fais des dégâts, j'ai... attends, je peux rien faire. Bah non. Non, je peux... Ah si, je peux faire un... Veston qui... la cible peut plonger pour... Elle peut pas répliquer à moins d'attaque. Elle peut se mettre à couvert, esquive. Ouais, mais il peut... ah si, il va tenter une esquive. Mais il va avoir 2 dés malus. Parce que là, pour esquiver, il va falloir qu'il sorte de la bagnole et tout. Donc c'est pas gagné. Sachant qu'on est devant, ouais. Ouais, ouais, et puis même s'il veut sortir de l'autre côté, de toute façon, comme il a déjà agi et joue, il va donc avoir 2 pénalités. Et il a pas de score d'esquive, mais si... Ah, si, là. Et il loupe. Donc ton tir passe. Non. Mais tu l'as éraflé sur le côté. Ok. Peut-être qu'on entend quelque chose dans le... On est juste en face du bar, en fait. Ouais, c'est pour ça. Ouais, est-ce qu'on entend les coups de feu ou... Ouais, ça commence, mais là, comme ça fait que 6 secondes, vous venez de l'entendre, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, faut pas oublier, hein, c'est vraiment réduit. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, on l'entend. Ah, voilà, vous avez entendu un coup de feu. Enfin, ceux qui sont dans le bar, vous n'entendez pas de coup de feu. Hein. Ah, d'accord. Ah bah non, ils sont dehors et vous êtes à l'intérieur du machin. Donc, oui, la musique est trop forte. Ouais, on entend la musique de Louis. Donc du coup, eh ben il se démonte pas, hein, il prend gars. C'est toujours Hippolyte, c'est toujours Pierre Francesco qui est devant là. C'est ça. Non, en fait non. Celui qui est à l'intérieur de la voiture, en fait, il sort de la voiture. Ah. Hop, il sort de la voiture et 1, 2, 3, 4. Et voilà, il va jusque là. Vous êtes tous les deux chacun de côté de votre voiture. Il va là. Père Francesco, tu fais quoi? Eh bien... Là, vous voyez que ça commence à regarder dans la rue à droite à gauche. Hein. Il y a des gens qui commencent à vous regarder. Tu fais la police? Des fois, on se fait agresser par des blagues. Appelez la police! On commence à hurler, moi. Et sinon, tu fais quoi? Bah sinon, je sais pas, il peut me dire, ouais, tu sais pas te battre sans armes. C'est là que le père Francesco se pense, il va falloir que je m'arme. Tu fais quoi, père Francesco? Tu boxes? Bah, je sais pas, moi j'essaie de m'éloigner, en fait. Tu peux t'approcher, tenter une manœuvre pour le désarmer, lui en face de toi, il a qu'un couteau, hein. Un couteau! Bah oui, tiens! Un prends gars, quoi! Par contre, là, si tu te recules par là, tu t'en vas dans les Nox Avenue, là. Enfin, Non, je veux pas y aller par là, mais. Bah, tu fais quoi? 5! S'il vient vers moi, je lui mets une patate! Ah, bah, tu sais pas, comme c'est toi qui viens. C'est toi qui a l'initiative. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Mais il reste sur la défensive, quoi, après, s'il veut, mais. Dis-moi ce que tu fais, mon gars. Bah, là, je suis là. Enfin, j'essaie d'éviter qu'il vienne de votre côté, par l'autre côté, oui. Tu peux bien essayer d'aller au corps à corps, je fais passe par-dessus le truc et je lui mets un... je sais pas... Ah vas-y, ouais, ça va trop bien au père Francesco. Vas-y. Allez. Donc après avoir passé un côté sur le capot, il fait un autre tour.
Il fail. De toute façon, j'aurais, j'aurais pu. C'est une feinte en fait. Ah non, il a lui, lui dodge pas, lui rend les coups, lui. C'est ça qui est marrant avec les PNJ, c'est qu'ils rendent les coups. Hop, donc il fait. Est-ce qu'il a déjà agi à ce tour-là, lui? Non, donc il a pas de malus. Donc il te rend les coups et en fait vous êtes en train de vous taper mais l'un à côté de l'autre quoi. Tant mieux parce que. Jolie esquive. Vassili. Tu vas voir petit con. Ouais, je vais repointer mon flingue sur ce balcon. Là par contre t'es plus à bout portant, hein. On est d'accord? Non mais là c'est bon, ça touche. J'ai sucé les dés, ça a marché. Ça doit être dégueulasse. Maintenant que t'as ajusté. Maintenant que t'as fait ton tir de précision, d'ajustement. Voilà. Oh, ça marche. C'est une bonne technique. Ouais, suce les plus souvent. Est-ce que j'ai agi moi? Ah oui, il a agi avant. Vas-y, fais tes dégâts. Ouch! Ouch! Ah, fais-moi le malin! Ok. Tu vois qu'il a pris une bonne bastos et là il. Ouf. Du coup, l'autre en face. Il regarde son. Il regarde le prêtre et. Enfin, il regarde le père et puis il, en fait, au milieu du pranga, il essaye de te foutre une grande droite, quoi. Tu fais quoi, toi? Moi? Ouais, parce là, que j'ai quand. Pas compris. Bah, en fait, il est devant toi et il va t'en mancher une grande droite. Tu as le droit de réagir à Cthulhu, tu joues toujours, c'est soit tu évites, donc avec ta compétence dodge, soit tu rends les coups avec ta compétence corps à corps, et le plus grand score l'emporte, la plus grosse réussite l'emporte, soit tu peux faire une manœuvre. Non, j'en mets, prends la, je mets une patate à mon tour. Ok, d'accord. Approuve-lui la, deux jeux la de, force deux, de l'esprit, deux coup de boule. Bah, non, là, c'est la survie, là, ça c'est pas... Donc il me faut un jet de corps à corps sur lui. Toi t'as Broly, fait... ouais c'est Broly il l'a fait. T'as fait une régulière et moi j'ai fait un hard. Donc... J'entends plus. Ah t'as dit appuie. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Pardon. Voilà, tiens, paf. Ce que je voulais dire c'est que tu en prends plus que tu ne lui en donnes. Ah cocard, ah, ouais. Le père Francisco. Ah, tu, viens de prendre 3, tu viens de perdre 3 points de vie. Hein. Ok. Oh. Et vous êtes en train de vous écharper dans la rue là, avec ta soutane et tout. Non mais t'étais en costume noir, ça ah va. Ah oui c'est vrai, il est en costume. Ça Hippolyte. Va, ça reste. Bah je tire, de, je tire sur le même. Vous êtes en train de tirer à travers là, c'est marrant. Ok. Vous entendez que ça commence à appeler des flics. Oui, je me disais aussi. Putain, un moment. Mais c'est pas vrai. du coup, lui, il est blessé, il se barre. Je pense qu'il, vous pensez qu'il essaye de prendre la fuite. Il essaye de prendre la fuite. Est-ce que, ouais, est-ce il commence à entendre les flics et tout, et il est pas super. Il se barre par là, pardon. Oui, vas-y, Hippolyte. Est-ce que j'ai des hommes à proximité ou pas? Ah bah là, non, vous êtes que tous les trois. Hein. Ouais, on est que tous les trois. Père Francesco. Je me défends, j'en mets une autre. Ah bah là, c'est pas tu défends, c'est tu attaques, là. Oh, putain. Ah ouais, ça suffit pas. Donc lui, il rend les coups, donc il va essayer aussi de te mettre... Hop. Et bah pareil, tous les deux, vous êtes en train de battre du vent. La bataille de petites filles, là, depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, en fait, ils se chamaillent. Depuis tout à l'heure, en fait. Mais arrête, laisse-moi. Vassili. Pendant ce temps-là, il y en a qui boivent des cocktails tranquilles. Non mais je travaille, je danse, hein, très cher. Ah pardon, excuse-moi. On profite. Et nous, on est le support moral de Louise. On, pr-
profitent du spectacle. Mais ils mettent bien longtemps à arriver. Ah oui. Vassili, c'est assez rapide hein, comme truc qui se passe là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est passé depuis qu'on a commencé, c'est passé 6, 12, 6, 18, enfin, ouais, non, une minute. Ouais, même, Oui, donc nous, on n'a même pas le temps de s'inquiéter. Hein. Oh. On n'a même pas fini le premier verre, alors qu'est-ce que tu veux? C'est à Vassili, qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais bien courser le mec, mais je voudrais savoir s'il court vite ou pas, quoi, maintenant qu'il est blessé. C'est surtout que toi, t'es blessé aussi. Hein. T'en as pris une bonne. Ah oui, c'est moi vrai. Aussi. Moi aussi, du coup, je vais pas pouvoir le courser. Et puis, faut pas oublier qu'aussi, Hippolyte, il est toujours... Ouais. pour rappel, Hippolyte, toi, t'as pas trop le droit, même de te prendre un coup de couteau, ça peut être chaud. Ouais. Et je dis ça comme ça. Et oui, je sais. Donc, Vassili, tu fais quoi? Je vais essayer de lui retirer une bastos. Ok. S'il part, il part. Mais... Lequel? Ah bah toujours... Ok, t'es encore à portée, je pense. Ouais, t'es encore à portée. Encore à portée, normal. Ouais, bon, de toute façon... Non, ça veut pas. Ok. Je vais le faire courir plus vite, comme ça. Donc lui, du coup, il prend... Il se barre aussi. Père Francesco, lui, il se barre. Tu peux. Mais c'est ça, casse-toi. Soit tu peux essayer. Soit tu peux essayer de le retenir. Bah, moi, au passage. Je pense ouvrir la portière au passage, qu'il se la prenne dans les dents après. Mais dis donc, c'est quoi? Violence. Ouvrir la portière passager. Ouais, c'est une portière. Bah, pour qui se prenne, je sais pas moi. Ouais, si tu veux, fais-moi un jeu de Dex. Allez, on va voir. Alors, Allez, on va tester tes réflexes par contre, Francesco, vas-y. Mais merde, il me dit pas là. Si, régulier succès, ok. Régulier. Tu t'arrives à ouvrir la porte, à lui foutre un coup, il se la prend dans l'épaule, mais il continue, c'est quand même un grand gaillard. Il continue quand même à courir. Vous les voyez partir dans le nord de la. En haut de la rue en fait. Par contre vous êtes devant une voiture quoi. Oui non mais là faut qu'on s'en aille, hein, les flics qui vont arriver. Attends, moi je prends numéro de la plaque avant de partir quand même. On aura peut-être possibilité de. Ouais. Dans la voiture rapidement, on trouve. Est-ce qu'il y a si on peut jeter un coup d'œil rapide des papiers ou quelque chose? Alors des papiers non, tu trouves un objet tu trouves un colis. Un paquet? Ouais, un paquet, ouais. Bon, je le prends. Ok, dessus, tu vois qu'il y a marqué à destination de la boutique, à destination de Sidasen Kwane, boutique Juju. J'en étais sûr. Ah ben, on va jouer au postier, là. On va y retourner, mais pas à trois. Vous faites quoi? La police est au bout de la rue. Ben, on se casse. On se casse. De toute façon, on prend Vassili sous les bras et puis on y va. Et puis on va au bar, enfin au Cotton Club. Ok, vous arrivez tant bien que mal à vite fait aller au Cotton Club si vous voulez pas vous faire voir par la police. C'est juste en face. Vous prenez, ouais. Et vous arrivez au Cotton Club et les autres, vous voyez arriver les trois gars tenant Vassili par le bras. Oh là, je les rejoins, je vais les aider. Puis je m'enquière de ce qui s'est passé. Ça fait casser la gueule. on leur a mis une bonne branlée, oui. Faut-il qu'on vous amène dans un endroit pour vous soigner, peut-être? Ouais, non, il va tenir le coup.